Vous êtes toujours dans le sous-marin, il est 19h21 et c'est au tour de Bernet de nous rejoindre. Salut Bernet. Salut. Ce soir tu veux nous réagir à la tribune de Catherine Deneuve, c'est ça ? Ouais c'est ça en fait, hein. Je me suis dit que ce soir j'allais faire comme tout le media game pour vous parler de cette fameuse tribune des 100 signataires de Deneuve, hein, qui traite de l'indispensable liberté d'offenser, voire d'importuner. Alors au début j'étais un petit peu, bah merde, genre Katoche, là, qu'est-ce qui se passe, je vois bien que t'es courroucé en plus avec l'histoire Weinstein et tout, mais bon je préférais quand même quand tu chantais dans Les Demoiselles de Rochefort. En plus dans le film il y a plein de petites punchlines un peu anti-harcèlement de rue et avec de la drague maladroite et des claquettes genre la 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 la, viens chez moi tu verras c'est super, oh non arrêtez de m'importuner, la 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 la, c'est assez drôle. Voilà, bon. En vrai, Catherine, c'est vrai que là, je t'avoue, je suis un petit peu déçu, hein, la liberté d'importuner et la drague maladroite, qui veut dire, genre, banaliser des gestes et des agissements très borderline, clairement, non. Et puis, putain, mais en vrai, mais qu'est-ce qui t'a pris, quoi? Genre, tu nous as fait une Mufasa, quoi. En gros, tu t'es dit, tiens, je dois m'exprimer sur un sujet, JPP de tout, finalement, un petit peu comme Yann Moix avec les migrantes. Yann. Quoi? Mufasa? Oui, c'est bien moi, Yann, écoute-moi. C'est la merde à Calais. Avec les migrants, tu dois les sauver. Moi ? Mais pourquoi moi ? Oui, Yann. Va là-bas et laisse-toi guider par ton cœur et tu verras, les gens t'aiment. Tu as réalisé podium. Ton corps est à droite, mais je sens ton âme d'islamo-gauchiste qui rayonne dans ton cœur. Va, chroniqueur émérite. Voilà. Bon, dans les faits, je suis quand même assez content qu'il y ait un mec qui est aussi connu pour venir en aide aux migrants, mais putain, je m'attendais pas du tout à ce que ça soit Yann Moix, quoi. Ça, c'est clair. Voilà, quoi. Et pour Catherine Deneuve, eh ben, ça m'a fait un petit peu pareil, hein, sauf que là, ça sonnait vraiment. Et au fait, nous les riches qui avons connu mai 68, c'était juste pour vous dire qu'on n'est pas d'accord avec ce qui se passe en bas au niveau de la plèbe. Ah oui, mais en fait. Ce qu'on voudrait dire, c'est qu'en fait, on s'en branle de vous parce que bah vous prenez pas le métro, en fait. Vous êtes un peu loin de tout ça, quoi. Voilà, donc pour moi, ça ressemblait un peu à ça. Ça ressemblait beaucoup aussi aux enfoirés qui nous chantaient il y a longtemps qu'on avait toute la vie, mais qu'il fallait qu'on se bouge un petit peu le cul aussi. Tu vois, genre le ton paternaliste et conservateur des gens de la haute sphère qui s'expriment sur des questions tellement éloignées de leur niveau de vie aujourd'hui que c'est vraiment très bizarre. La tribune de Deneuve avait un petit peu cette saveur-là entre clash des générations et clash des classes aussi. Bah oui, parce que voilà, en vrai, je t'en veux pas, hein, Catherine. Je sais que t'as voulu bien faire, je ne doute pas de ton féminisme, mais à voir comment, depuis ces dernières semaines, t'essayes tant bien que mal de faire face, surtout depuis que 3-4 signataires de l'extrême ont rajouté des propos bien plus dégueulasses sur le sujet, hein, genre Elisabeth Lévy, hein. Je vais pas m'attarder dessus, hein, parce qu'elle a essayé de défendre son beefsteak en disant un truc genre, un monde dans lequel on n'a pas le droit d'importuner, c'est genre un monde où on est plus vivant, enfin... Je pense qu'en fait, le mieux, ce serait qu'on fasse tous une tribune pour qu'Elisabeth Lévy arrête de nous importuner, ça nous fera des vacances, ce serait plutôt pas mal. Enfin, revenons à Catherine. Bon, c'est sûr, elle n'est pas de la même génération. On pourrait dire qu'elle appartiendrait à un féminisme plutôt des 70s, hein, sans vous faire tout le résumé, et que ma grand-mère, en 73, elle avait quand même moins de chances de se faire emmerder à faire du topless sur la plage qu'une femme en 2018. Alors forcément, ça crée des clivages. Hein, voilà. Il y a même des médias qui disent que maintenant, il y a deux formes de féministes. Il y a le féminisme plutôt côté tribune et le côté anti-tribune. Et putain, mais comment on en est arrivé là, hein? C'est genre cette histoire d'importuner, cette histoire d'assèlement de rue, et qu'au final, est-ce que ce serait juste pas la forme de la drague qui poserait problème? Et voyons voir ce que nous dit l'histoire. Et accrochez-vous les cocos, parce que la drague, c'est issu d'une très 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 longue tradition bourgeoise. Hein? Où dès le Moyen-Âge, on a écrit des traités, hein, pour savoir comment qu'on fait pour pécho, nous les hommes, en bons chrétiens bien sûr, tout en sachant que de toute façon, le mariage est arrangé, que tu vas quand même tirer ta crampe avec une nana que tu n'as pas choisie et qui est souvent bien plus jeune que toi. Et c'est ce qu'on appelle l'amour courtois, le finamor en occitan, hein, ça date du 13e, une sorte de drague ritualisée où les messieurs tentent de conquérir leur belle tel un pro chevalier en usant de charme, de poésie et de petite gentillesse. Et tu dois être à son service avec une sorte de fidélité inébranlable, un petit peu comme un seigneur avec son roi, donc c'est un petit peu une sorte de vassalité du love. On va dire. Et c'est plutôt cool parce que quand tu y arrives, en fait, t'as le droit de voir ta nana toute nue et tu peux la caresser, tu peux la toucher, l'embrasser, mais t'as pas le droit de la ken. Parce que voilà, l'amour courtois, c'est censé être chaste. Mais bon, ça, c'est sur le papier parce que si l'amour courtois serait si chaste que ça, on serait pas là pour en parler. Le truc, c'est que l'amour courtois, c'est un jeu masculin. C'est l'homme qui va séduire et tout faire pour arriver à ses fins, tandis que les femmes sont reléguées au rang de proie insaisissable. Ce qui nous fait dire que la drague, même si c'est un acte qui se fait à deux, c'est quand même un truc de mec où les nanas sont quand même la récompense de la quête. Une sorte de rapport dominant-dominé où à travers l'histoire le dominant c'est surtout celui qui a une tub. Et pendant la Renaissance, eh ben, c'est à peu près le même délire, l'homme séduit. Hein. Donc en plus à la cour quand t'es bourgeois, bah Versailles c'est cool, tu vois, t'es là, bon, tu bouffes bien et tout. Mais tu te fais quand même un petit peu chier parce que la danse, le clavecin, la poésie c'est un peu lourd. Mais bien maîtrisé, ça peut se transformer en méga appât à gonzesse et comme à Versailles il y a tout plein de meufs, et eh ben c'est tant mieux. Donc ces messieurs font la cour à des jolies jouvencelles qui ont souvent la même éducation sexuelle qu'un gosse de 10 ans.
apprends le piano et tu pourras tâter de la go, disait Feu Chrétien de Troyes. Et bah voilà. Finalement, le mec qui fait de la guitare sur la plage avec un chapeau pour niquer n'est que le résultat d'une longue tradition de dragueurs détestables. Oui. Et voilà, donc ça évite de parler parce que bon, t'imagines à l'époque, à la Renaissance, tu parlais de quoi quand tu voulais draguer? C'était genre, ah bah salut, j'ai 16 ans d'école militaire, j'ai quasiment jamais parlé à une fille, et puis bah toi, tu sais coudre. Alors bon, on n'a rien à se dire, par contre, je sais jouer du clavecin. C'est plutôt pas mal, hein. Marie Adélaïde, Marie Adélaïde, c'est une catastrophe. La duchesse de Montpensier cherche une gentodame pour sa partie de Colamaillard dans les jardins du château. Voulez-vous vous joindre à nous? Et qui sait, les yeux bandés dans le labyrinthe, je pourrais peut-être dégrafer votre corsage. Et puis voilà, vous savez, ça continue dans les... tu m'attrapes, ah, là, là, putain, mais... Quelle bande de pauvres cons, sérieux. Et nous, on se retrouve aujourd'hui avec tout cet héritage de merde dans les mains. Je suis un homme, je dois conquérir cette jeune inconnue au bar et je dois être fort, sûr de moi, viril et usé de mes charmes. Tandis que moi, je suis une femme, et ben, en tant que femme, je dois laisser venir, être gentille et fuir parce que sinon, je vais faire un salope à leur banc. Voilà le problème. Pas étonnant que certains mecs aujourd'hui ne comprennent pas pourquoi ils n'ont plus le droit de siffler, de complimenter, de mettre une main sur le genou, puisque c'est une tradition, hein. Ils sont là un petit peu, bah nom de Dieu, qu'est-ce qu'ils ont les meufs là, j'ai dit qu'elle était bonne, j'ai dit que son père c'était genre un voleur parce qu'il avait volé les étoiles de machin, et puis elle m'a dit que je devais aller niquer des mères, bah super. En plus j'ai acheté une guitare, j'ai vu sur internet qu'on pouvait faire un accord d'Oasis en 3 minutes et ça n'a pas marché. Donc voilà, ça c'est typiquement un comportement de gros con, hein. Je n'excuse pas ces agissements à cause de la tradition, hein. Vous êtes juste des gros lourdeaux et pour certains des gros porcs, et comme la société évolue, il conviendrait d'évoluer aussi. Donc en gros, dire mademoiselle, j'adore ton décolleté, on voit bien tes miches, t'es bonne, ça ne marche plus. Et dans les faits, ça n'a jamais en fait marché, hein, sauf qu'avant, les meufs, eh ben, elles n'avaient pas trop le choix. Et puis, il faut surtout être sacrément con pour espérer quand même tirer son coup avec ces méthodes d'approche-là. Hein. Bon, sauf si tu t'appelles Francky Vincent, mais bon, là, j'ai pas le temps de m'attaquer à une légende. Donc le mieux, ce serait peut-être de faire un exemple et de constater pour voir si ça marche, d'importuner quelqu'un pour se donner plus de chances de ken. Et que ou alors savoir si c'est plus facile d'être normal ou respectueux. Et pour essayer cela, je vais avoir besoin d'une femme, et c'est Justine, ma petite fée de l'amour, la star de l'émission de la Réverb 21, qui a bien voulu se prêter au jeu. Salut Justine. Salut Vernet. Alors pour le test, on va imaginer un truc, hein, donc voilà, tu es solo au bar, pépère, et moi je vais venir t'aborder ou t'importuner, hein, c'est à toi de voir. Oh, bah. Et tu vas me dire si ça marche ou pas. Donc pour plus d'anonymat, je t'appellerai Sabrina. Par contre, c'est Mélissa, mon nom de scène. Mélissa, bon, bah, ce sera Mélissa. Allez, petite musique d'ambiance pas trop forte. Donc je viens d'arriver avec mes potes, hein, et là, que vois-je au bar? Mélissa, beauté du sud, en train de boire son mojito, et forcément dans ma tête, je suis un petit peu genre... c'est genre... j'ai un petit peu chaud, quoi, je suis bien. Et je me dis, tiens, quelle bonne idée de merde, je vais prendre le risque de l'aborder, puisque de toute façon, j'ai la dalle. Mais bon, le truc, c'est qu'en fait, dans les faits, je la trouve juste bonne, hein. J'espère qu'elle est sympa, mais franchement, si dans la discussion, je me rends compte qu'elle a voté Fillon, au bout de 3 pintes, je m'en bats les couilles. Allez, j'y vais. Bonjour. Salut. Est-ce que tu voudrais pas jouer à un petit jeu? Bah écoute, pourquoi pas. Ok, alors allons-y, attention. Dis camion. Ah non, je ne crois pas. Eh bien non, parce que j'utilise mon droit d'importuner et de drague maladroite que m'a octroyé gentiment Elisabeth Lévy, donc tu n'as pas le choix. Attention, je vais lire camion. Toujours pas, je ne crois pas, hein. Ah mais putain, sérieux, arrête de faire ta féministe. En plus, je suis sûr que si tu te laisserais un petit peu approcher avec des petites chatouilles... Ok, donc tu viens de me claquer la gueule. C'est cela. Je pense que t'aurais pu le faire encore plus fort. J'aurais aimé, mais bon. Donc, conclusion, je pense que le droit d'importuner, ça ne marche pas terrible. En plus, bah, c'est vrai que ça pique un peu. Il serait peut-être temps de changer la donne et de vous dire, messieurs, juste d'arrêter de faire vos relous. Et je vais maintenant arrêter là et laisser le mot de la fin à Sabrina, principale intéressée des histoires d'harcèlement et d'importunage, parce que la vie d'un petit babtou, c'est quand même assez épuisant. Très bien, bah oui les gars, après tout le droit d'importuner, on a bien vu que c'était borderline et à vos risques et périls. Alors évitez donc vos approches reloues et mettez-vous bien dans la tête que non, c'est non. C'est pas non, mais peut-être que si, j'insiste un peu sur un malentendu, ça peut passer, non. Sinon, nous aussi, on va finir par vous importuner et je vous préviens, ce sera pas un remake de Blanche Fesse et les 7 nains, mais plutôt Vendredi 13 dans ta petite tronche de con. Merci beaucoup à vous deux.